commence chaque journée comme si elle avait été écrite pour toi. Bonjour à tous mes calcinés préférés, aujourd'hui on est là donc pour parler de la saison 12, donc on va voir évidemment le tableau, on va voir les nouveaux trucs à gagner avec les paquets mutés, voilà, il y aura des trucs rares, etc, bon, voilà, et nous allons voir ensemble évidemment notre grand médecin, le grand médecin des Appalaches, monsieur Salomon, donc voilà, et puis voilà, ça va être tout. Ah. Ah oui, et puis il y aura H aussi, ouais, qui sera là, accessoirement. Ah, t'es sympa toi. Tu m'as oublié. Ah, je t'ai oublié, c'est ça, c'est des choses qui arrivent. Oui, je suis à côté de toi. Donc voilà, les paquets mutés sont là. Et oui, ils sont là. Donc voilà, ça rajoute un petit truc en plus, hein, une difficulté en plus. Des nouveaux plans et des nouvelles recettes. Donc voilà, bon. C'est pas ouf, mais c'est sympa. Il y a des petites armures sympas, à voir. Donc voilà, une saison 12 qui commence. Donc, comme on avait parlé déjà, hein, un tout petit peu légère, quand même. Hein. Beaucoup. Donc tiens, beaucoup. C'est léger, quand même. C'est très léger. Très léger, très léger. Ouais, ok, d'accord. Bon, après, voilà. Ouais. C'est vrai que, bon, hein, chacun son point de vue. On va retrouver notre grand docteur, si on arrive à l'avoir. Ouais, c'est bon. Bonjour, monsieur Salomon, comment allez-vous? Merci encore de me laisser rester ici. Escroc. Très bien, très bien. Donc voilà, vous êtes le grand docteur des Appalaches. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Mais c'est un escroc, ce mec. C'est un escroc. Mais non, 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 non. Non, non, si. C'est un grand docteur des Appalaches. D'ailleurs, monsieur Salomon, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez des paquets mutés, quoi? Est-ce qu'il n'y a pas un danger pour les Appalaches? Honnêtement, ça me fait ni chaud ni froid. Mais tais-toi. Non, arrête, il m'a déjà ausculté. C'est pas un thermomètre, c'est mon doigt. C'est un escroc, le mec. C'est un escroc, c'est tout. D'accord, donc pour vous, tout baigne. Je voulais savoir, tiens, pour notre invité, dites-lui que bah, vous avez vos diplômes. Si votre question c'est, est-ce que j'ai eu mon bout de papier? La réponse... Hein? T'es sérieux, toi? Oh, la vache. Et je te l'avais dit. Je l'avais dit, c'est un jambon le mec. Et si je vous dis que je me suis ouvert le bras? Ça a l'air d'aller. Buvez plus d'eau et essayez de faire une bonne nuit de sommeil. Ah non mais c'est bon, monsieur Salomon là. Vous pouvez retourner sauver vos sauterelles. Là. Allez vas-y, allez, casse-toi. Il saurait même pas le faire. Bon bah merci d'être passé. Hein. Là je crois que j'ai plus besoin de toi là. Ouais non, ah, okay. Non en fait tu me saoules. Ah d'accord, allez. Ok. Ouais bah quand salut. T'as pas besoin tu m'appelles. Ok d'ac. Ouais ok, pas de problème. Pour le tableau, donc on a quelque chose de sympa, voilà, alors, de l'habituel, hein. Donc on a du... Alors là, ça les relance, c'est pour les défis, on a déjà vu ça ensemble, donc l'armure de cuir, voilà, du skin, comme d'habitude, du skin d'armure, des icônes de joueurs, ça on l'avait vu, voilà, c'est un skin pour les armes, qui est assez sympa, hein. Voilà, on avait vu ça ensemble, c'était assez sympa. Bon, après, voilà, c'est des posters, beaucoup de posters hein, sur ce, et beaucoup de skins, évidemment, d'armure, comme d'hab, des mods, des atomes, encore un poster si on est first, hein, donc de l'or, une pile de boîtes, tiens, légende, bah voilà, peinture, aventure, donc là, on l'aura pour toutes les armures, l'établi de bricoleur, voilà, avec un nouveau design, moi, c'est sympa, voilà. C'est sympa. Donc, on a les timbres, comme d'habitude. Le panneau de Flatwood. Encore un skin d'armure. Ah oui, la pancarte. Ça, on l'avait vu ensemble. Les atomes. Ça aussi, le monstre Grafton. Ok. Armure. Voilà, icône de joueur. Masque bandana. Masque bandana, affiche, des affiches, posters,
Bon, voilà. Bon, là, jusque-là, plein de petites choses pour égayer votre camp. Mais vraiment, moi, ce que j'attends, casquette hélico, Waouh, Steven. Donc, ça, c'est un PNJ, alors. J'espère que c'est un PNJ. Oh, oui. Ok. Donc, un nouveau PNJ. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de PNJ. Moi, j'aime bien les PNJ. J'aime bien les PNJ. Donc les lampes, ok, ça c'est encore du... Voilà, cheminée en pierre. Les modules, peinture, épaule dorée. Donc là on n'a même pas de photo, donc c'est la même chose mais en doré. Un icône de joueur, mitraille, mitraille, une belle chaise, un trône chasseur, voilà. La tente de survie, Nuka Cola. On l'avait déjà en classique. Pièce d'aptitude, ok. Le fameux poste. Ok, ça on avait vu ensemble aussi. Voilà. Clac-clac, peluche de monstre de Flatwood. Donc là, ok. Une baignoire propre pour certains, ça peut être super sympa. Donc voilà, vous avez vu, hein. Donc bon. Là, qu'on regarde comme ça, on se dit, bon, faut que je monte pour pas grand-chose. Machine à écrire. Waouh, et une vitrine pour chope d'ours. Donc ça, on l'a vu ensemble. Accessoires porte-clés à dents. Tenue d'écureuil de scout. Bon, icône de joueur. Voilà, ça c'est pareil. Sol, moquette, effet bois. Je vois ça, il fait un peu dégueulasse. Donc là, kit de réparation, encore du peinture, et je vais vous faire voir ce que j'attends réellement. Peinture ours fumant pour arme, donc ça, bras d'ours. Le bras d'ours comme ça, c'est un truc qu'on peut avoir avec les trucs mutés. Papier peint, larves d'homme phalène, ok, magnifique. Des larves sur votre mur. Le lit fourrure rustique, donc ça on a vu ça ensemble. Le jetpack hardy, on a vu ensemble. Voilà, dessus d'armure, des services secrets, ok. La cache outil Voltec, photo, donc ça les cadres photos, c'est quand vous faites des photos, vous pouvez voilà, les rendre un petit peu plus cool, machin, etc. Donc là, clac. Icône encore une fois. Ça, j'ai hâte. Refuge de chasse. Quand une cabane en rondin a plus de grande ambition. Alors là, ce préfabriqué, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de voir vraiment ce que ça donne. Avec le petit balcon, tranquille, le petit rez-de-chaussée, l'étage. Il a l'air vraiment sympa. Ah, je sais pas ce que vous en pensez. Mais sinon, pour le reste, bah, c'est pas ouf. Un siège violon, voilà, un petit truc, ouais, un petit truc en plus. Et puis l'armure assistée du mécano. Voilà, toute magnifique, avec des yeux de mouche. Et ça, bah, c'est un luminaire avec du papier toilette dessus. Magnifique, magnifique. C'est de l'art contemporain, parfait. Et dans la boutique, vous avez le fameux abri du bunker test nucléaire. Vous avez vu ça ensemble. Voilà, c'est un truc de l'enclave. Vous allez pouvoir vous amuser. Voilà, tout est factice, hein, mais voilà, vous allez pouvoir vous amuser avec un pack de l'enclave, une mine. Donc skin d'armes, tenue, voilà, lot d'armure de l'enclave. Donc voilà, on a vu le tableau. Voilà, qui est assez sympa. Moi, c'est pour la cabane. Voilà, pour la cabane, j'ai hâte. Vraiment, le petit préfabriqué, là, j'ai vraiment hâte. Sinon, voilà, le petit tableau, tranquille. Alors, est-ce que beaucoup de joueurs vont avancer sur le tableau? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Évidemment, je l'espère. Maintenant, on va passer aux choses que vous allez pouvoir avoir avec les nouveaux packs mutés. Voilà, vous avez deux types de
packs mutés. Vous avez les packs mutés goldés et classiques, la verte. Donc en plan rare, nous avons donc des armures. Une source qui vient de Twitter, d'Uranium. Donc il a lâché un petit peu ce qu'il y allait avoir dans ces petits packs mutés. Donc dans les rares, vous avez les armures des Riders. Voilà. Donc vous avez la légère, la médium et la lourde, hein, comme d'habitude. Après, en plan, vous allez avoir donc nouvelle mutation qui fait que, en traduisant, ça fait monnaie de cendre. Je ne sais pas du tout. À voir, à tester. Après, vous allez avoir les tenues de marine, donc avec, là, ça va être des modes, avec des modes de doublure de protection ou les doublures blindées. Voilà. Et vous avez le baril radioactif qu'on peut avoir dans l'event, que personnellement j'ai jamais eu. Pourtant je l'ai farmé l'event, et je l'ai jamais eu. Et ben là voilà, on peut l'avoir, le baril radioactif. Donc il y aura le diffuseur de Steampack, le ski à lame, et des gants de griffes de la mort. En ultra rare, au niveau des modes, ça va être des cannes. Ça va être des cannes à pointe et des cannes barbelées et une baume de guérison. En ultra rare aussi, donc il y aura la hachette, donc la hachette à électro et une fourche à flamme, fourche de flamme. En plan rare, là on va avoir donc le fameux bras d'ours avec des modes, donc le perforation du bras d'ours tout à droite. Voilà, à voir, à tester tout ça. Donc au niveau des armes, il y aura l'excès. Voilà. Une arme de destruction massive avec un. Il tire un projectile supplémentaire, donc doublé, plus 25% de dégâts tout en visant avec, et un poids réduit de 90%. Donc au niveau du poids, on n'est pas trop mal. Après, c'est le poids des obus, quoi. Ça fait son poids. Donc voilà un petit peu les nouveautés qui vont arriver avec les packs mutés. Alors, il n'y aura pas que ça, mais là, tout de suite, si. Donc, voilà. Donc, une saison 12 qui commence, un nouveau plateau, et puis nouvelle façon de jouer nos events, avec des mutations qui va permettre de rendre le truc un petit peu plus piquant, un petit peu plus dur, quoi. Dites-moi ce que vous pensez de cette saison 12. Et en attendant, moi, je vous dis ciao, ciao. On se retrouve très, très vite pour une autre vidéo. Allez, je vous dis bye, bye.